Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, avons-nous une nouvelle méta avec les nouveaux commandants à distance ou une nouvelle arnaque made by Lilith? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne? C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis. Vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les leaks, les tips, les tutos, bref, tout est sur le Discord. Les amis, Lilith nous a arrosé de 3 nouveaux commandants. Un pratiquement offert, hein, faut quand même aller au bout de l'event. Hein. C'était Gaja Mada, le second Gonzalve de Cordoue. Notre ami était bien évidemment dans la roue de la chance, hein, et vous avez vu, hein, je n'ai pas eu de chance sur cette roue de la chance, seulement 7 sculptures sur 10. Hein, et pour finir, le dernier, Lapu Lapu, qu'on verra dans une prochaine vidéo, les rapports. On va se concentrer d'abord sur notre ami Gorgonzola et son pote Gaja Mada. Il est extrêmement difficile de trouver des rapports car très peu de joueurs pour le moment l'ont monté. C'est simple, hein, la plupart des méga baleines sont sur des méga KVK et n'ont pas le temps de faire mumuse avec ses commandants. Mais on a quand même quelques rapports et quelques comparatifs. Hein. Alors, il n'y a pas énormément de comparaisons possibles. Ce qu'il faut, c'est regarder bien évidemment les stats, hein, les seuls qu'on peut comparer, c'est avec Margaret Première, hein, et Babur, évidemment, c'est les deux seuls autres commandants ingénierie. On va comparer ça donc tout de suite avec des rapports plutôt intéressants tout de même, même s'il va nous en falloir davantage pour être sûr de savoir quoi faire. Alors déjà, je peux vous le dire en avance de phase, hein, pour monter ces commandants, pour monter des commandants ingénierie, il n'y a qu'une solution, avoir beaucoup beaucoup trop d'argent. Si vous avez trop, n'hésitez pas à faire une donation à l'association et dons patatou. N'hésitez pas à m'envoyer vos dons les amis. Plus sérieusement, regardons ces premiers rapports. On commence tout de suite. Alors évidemment, je vous l'ai dit, on a peu de rapports. Et qui fait ce genre de rapport? C'est des méga joueurs. Là, il s'agit d'un 60 GT. On est sur un rapport, hein, all open field. Il a joué à distance, c'est Malinx, il tire comme ça, il shoot bien du monde et lui il est plutôt détente, hein. Il a quand même pris 56 000. Ça peut être intéressant, hein. Ça vous faites le rat à distance, hein, pendant que sur le front vos potes se battent, hein. Vous êtes un petit peu derrière avec des commandants à distance. Si votre team arrive à tenir le front, ce qui est le cas, hein, sur les Murder Ball par exemple, hein, vous allez faire quand même pas mal de dommages en rat et c'est pas mal, c'est judicieux. Mais encore, faut-il sur ADKVK où les deux fronts se tiennent. Donc, on a d'un côté un Gorgonzola avec Maja, là. Je sais même plus son nom, Goncalo Gonzalves, des Cordula. Et donc son poteau. Et vous allez voir, hein, ils ne sont même pas expertisés, hein, sur l'un des rapports. Hein, on a Gorgonzola qui est expertisé. Majda ne l'est jamais, Maja ne l'est jamais. Donc, ce premier rapport, 56 000 blessés légers d'un côté, blessés graves d'un côté pour 237 000. Alors oui, le rapport de force, hein, quand on regarde le nombre de troupes, hein, 436 000 d'un côté, 23 millions de l'autre. Oui, c'est parce qu'il tape dans le tas et il tape un peu tout le monde. Donc forcément, comme sa zone, eh ben, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de troupes en face. Hein. Donc 56 000 face à 237 000. Ouais, c'est plutôt un excellent rapport, hein, en termes de kill point. Hein, 4 millions pratiquement d'un côté, 1 million de l'autre. Non, là, sur la technique, mais c'est pas lié forcément au commandant, là. C'est lié au fait de taper en zone à distance, hein, forcément. Ça paye quand on a, encore une fois, un bloc devant qui tient. Si ça tient pas, vous allez vous faire rouler dessus. Vous le voyez en bas du Battle Report, hein, il y en a un second avec Margaret et Babur. Hein. On va voir cela après pour comparer. Justement, là, on a de l'expertise. On continue. Et regardez, on a un petit defeat là, quand même. Hein. Donc, on a une bataille, encore une fois, 60 GT, 436 000 troupes. Hein. Face à 6 millions et demi de troupes, toujours pareil, hein, ça tape sur de la zone. Et là, c'est pas tout à fait la même parce qu'il a dû se faire un petit peu taper dessus, un petit peu péter la bouche, d'où le defeat. 83 000 d'un côté, 101 000 de l'autre. Forcément, quand ça arrive au contact sur vous, vous allez vous faire déboîter. Mais tout de même, ça reste positif. Si on regarde les kill points en revanche, là, ça ne l'est pas du tout. C'est intéressant de regarder vraiment le détail complet. Puisque en kill point, hein, le joueur des 60 GT, hein, a pris plus 1 456 000
face de lui, ça a pris 1 675 000. Vous allez me dire, ah bah ouais, mais c'est 200 000 d'écart, 220 000 d'écart, c'est rien. Bah là, c'est quand même un bon 15%, un peu plus de 15%. Hein. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup. Troisième rapport, les amis, je vous le rappelle, hein, on n'est pas sur de l'expertise qui plus est, hein, des commandants expertisés. Un commandant expertisé principalement. Là, cette fois, on a. Et puis en plus, comme il y a de la foule en face, hein, on n'a pas vraiment d'unité. Encore une fois, 60 000 d'un côté, 277 000 de l'autre. Là aussi, encore une fois, on est bien 436 000 face à 16 millions. Toujours la même technique de rat. Donc, ça peut donner une indication. Déjà, au-delà du fait d'avoir beaucoup trop d'argent pour monter ses commandants. Si vous avez moyen de faire le rat, mais faut pas qu'on arrive au corps à corps. Hein. Si vous arrivez avec des troupes au corps à corps, elles vont vous fumer max. Donc vraiment, il est important d'avoir un bon bloc qui va tenir devant vous. Regardez, il prend des victories dans tous les sens. Forcément, ça tape de loin. Forcément, ça finit les troupes qui sont low et elles n'ont pas le temps de se barrer. On va comparer à Théodora, là, Théodore et Margaret, et pas Théodora, n'importe quoi, Margaret. On va comparer Margaret et Babur après. Gonzalo, donc de Cordula et Gachamada, c'est un peu mieux quand c'est écrit les noms. Cette fois, là, c'est différent. On a du 1-1 face à Zugliang et Herman Prime. On a 436 000 d'un côté. 6 millions de l'autre, ouais, ça a tapé dans le tas, mais on a le détail, hein. C'est ça qui est un peu plus intéressant. 19 900 blessés graves d'un côté, 20 000, hein. 108 000 de l'autre en termes de kill point, pareil, 1 600 d'un côté, 398 000 de l'autre. Hein. C'est intéressant de voir vraiment ces rapports, puisqu'on comprend que tout, là on est sur du troupe par troupe, hein, c'est pour ça qu'on est dans Battle Data, que tout va vraiment dépendre de la configuration de vos KVK avec cette troupe là, puisque si vous êtes au corps à corps, encore une fois, vous faites Fumax. Encore un rapport, mais cette fois, je vous l'avais dit, on va comparer à Margaret et Babur, et on est sur le même joueur des 60 GT. Cette fois est face à Elvis. On vous le dit, Elvis n'est pas mort, hein. C'est un complot qui essaye de nous le faire croire, hein. Il est sur une île déserte avec Michael Jackson, bien évidemment, Margaret avec Babur d'un côté et de l'autre Nevsky avec Jeanne d'Arc Prime. Là, moins 1 600 000. Là par contre, on est en 1-1. 436 000 troupes d'un côté, 427 000 de l'autre. C'est pas un rapport détaillé, c'est un seul combat, hein. Il n'y a pas de multiples intervenants et il n'y a pas photo du tout. 15 000 troupes mortes d'un côté, blessées graves, pardon, d'un côté, 156 000 de l'autre. Là, c'est une boucherie. Et regardez les kill points, 3 100 000 pour Margaret, hein, 300 000 pour Nevsky Janda. Donc quand même, quand on regarde le 153 000 à 1 600 000 de puissance perdue, on se dit... Franchement, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec les commandants à distance. Mais encore une fois, c'est des commandants de niche. C'est pas des commandants qui sont accessibles à tout le monde. Et puis le stuff après pour les avoir et les mettre bien, ça va vraiment être très très relou. Vraiment, et très peu utilisable au final, ces commandants. On continue, cette fois on repasse sur Gorgonzola avec Gajamada. Et vous le voyez, sur ce rapport, on a Gorgonzola qui n'est pas expertisé. 5, 5, 3... 5, on a Gaja qui est en 5-2-5-1. Bon, il reste extrêmement jouable. Le coup du 5-2-5-1, là, il a eu une minch, mais vraiment magnifique. Le mec, on va faire 5-2-5-1. C'est déjà très utilisable en 5-2-5-1. Et regardez, 436 000 d'un côté, il n'y a que 203 000 de l'autre aussi. Hein. Ça explique qu'on n'ait pas besoin d'être expertisé. Zugliang, Xiang Yu avec Mulan. 6 000 blessés graves du côté de Gonzalo, 59 000. On a peut-être presque un rapport de x10, moins 63 000 de puissance, moins 460 000 de puissance. Et regardez le kill point, hein. Presque 1 million pour Gonzalo, plus 127 000 seulement pour Xiang Yu. Franchement, là, il n'y a pas photo, c'est un viol organisé. La pauvre Mulan, je pense qu'elle est rentrée chez sa mère en pleurant. Mais là, ce genre de rapport, ça nous montre réellement... Il y a quelque chose à faire avec ces commandants à distance, surtout quand ils sont pas expertisés, quand ils sont un peu éclatés comme ça. Hein.
On continue, cette fois Gonzalo a été expertisé, c'est pour ça que je vous le disais, il y a eu des rapports pré-expertise et des rapports après justement. L'expertise, Gadja, lui, ne l'est pas encore. Expertise, on est toujours en 5-2, 5-1. Et regardez, on a eu pareil hein, en termes de sa attaque à distance. Moins 21 000 d'un côté, moins 38 000 si on fait le cumul. Là, c'était juste une troupe, un extrait. Si on fait le cumul, 30 000 blessés graves d'un côté, 121 000 de l'autre. 2,2 millions de kill points hein, pour Gonzalo, 600 000 seulement pour Nevsky Jeanne. Franchement, impressionnant tout de même les stats de Gonzalo, je vous le dis. C'est vraiment pour les baleines, pour ceux qui ont trop d'argent de monter ce commandant. Mais si vous l'avez expertisé, presque expertisé, et du bon stuff, vous allez faire très mal si vous arrivez à pas vous faire attraper. Au corps à corps, on continue cette fois avec un nouveau rapport. Toujours Nevsky Jeanne d'Arc. Hein. C'est sûr, Nevsky Jeanne d'Arc en termes d'open field, ça reste une très grosse référence. Alors oui, il y a Gorgo avec Liu Che qui est très très lourd, hein. Mais Nevsky Jeanne d'Arc, ça reste très solide quand même. C'est le quatrième meilleur binôme ou troisième meilleur binôme, quatrième meilleur binôme de Pika Herman et Azurbanipal. 13 000 blessés graves d'un côté, 63 000 blessés graves d'autre. Alors vous allez me dire, pourquoi on n'a pas de rapport en défense? Parce qu'on va pas mettre Gorgonzola avec Mazda, on va pas les mettre en défense de structure parce que là, ça serait vraiment n'importe quoi. Ça serait un roulage sur la tête assuré. Donc 13 000, 63 000, encore un rapport très positif pour Gonzalo, plus 912 000 kill points, plus 274 000 de l'autre. Encore une fois, tous les rapports que je vous ai montrés, presque tous les rapports, il n'y a pas photo malgré le fait qu'on ne soit pas à un niveau d'expertise sur les deux commandants. Cette fois, comparatif, hein, une nouvelle fois, puisqu'il est toujours bon de comparer, on n'a qu'un seul point de comparaison. C'est bien évidemment Margaret avec Babour, qui sont cette fois les deux expertisés. Et là, encore une fois, il n'y a pas photo, hein, 26 000 blessés graves d'un côté, 140 000 de l'autre, un rapport presque de x5 en termes de kill point. Franchement, pour monter vos kill point, avoir ces binômes-là à distance, c'est tout de même beaucoup, beaucoup plus facile. Mais attention, il faut vraiment être bien protégé devant, sinon ils vont arriver au contact et vous allez vous faire déboîter. Une nouvelle fois, nouveau comparatif avec Margaret Babour, 40 000 d'un côté en blessés graves, 173 000 de l'autre. Mais surtout, regardez les kill points, 3,2 millions de kill points pris. Franchement, moi, ça me rend ouf là quand je vois comment le mec il doit monter en stade de kill point. Hein, ça doit être du easy peasy pour citer notre ami Ronnie, dont on n'a plus de nouvelles hein, d'ailleurs. Hein, la légende Ronnie, tellement légendaire qu'il a disparu. Donc, moins plus 800 000 face à plus, moins 3, plus 3,2 millions, plus ou moins n'importe quoi. On commence vraiment à faire de la stat de ouf. Encore un rapport de comparaison, hein. Vous le voyez, là, je fais une petite pause sur les rapports, 43 000, 218 000. On a tout de même, quand on a Margaret et Babour expertisés, des meilleurs rapports hein, qu'avec Gonzalo et Majda, mais n'oubliez pas, quand les deux vont être expertisés, on devrait être encore plus haut et ça devrait taper encore plus fort parce que là, c'est très, très prometteur. Hein. Deux rapports pour finir. Les amis, hein, toujours on compare à Margaret, 37 000 et 135 000. Là, il a pris des morts, hein, les hôpitaux devaient être pleins. Donc, c'est toujours du très positif. Hein, et on finit avec un dernier rapport comparatif. Encore une fois, 43 000, 218 000. Dans toutes les situations, les rapports des commandants ingénierie ont fait la différence. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure sur nos deux nouveaux commandants? Faut-il malgré tout hein, péter le PEL et les monter, Gadjamada le monter, Gonzalve le monter? De mon point de vue, non, ne les montez pas. Moi-même, je ne vais pas les monter et pourtant, je pense que si je vérifie, je dois avoir beaucoup trop de sculptures. Ouais, 1680 sculptures, je pourrais les monter hein, en les attrapant sur la roue de la chance. Ils sont aucun des deux dans la MGE, malheureusement. Enfin, tant mieux parce que ça fait moins de commandants éclatés en MGE. Ils sont très bons. S'ils font le taf en open field, mais seulement si vous avez un bon bloc défensif devant vous, ou si vous avez vraiment un terrain
favorable, il faut faire le tour de la rivière pour venir vous attraper. Sinon, je crains que vous alliez vous faire déboîter une fois que vous allez vous faire attraper par les troupes de l'ennemi. Ou vous pouvez avoir votre propre troupe hein, en défense de ces troupes qui seront positionnées et qui tireront à distance. Elles vont faire très mal, elles vont faire de la zone, surtout quand les deux vont être cumulés, hein, vous le voyez, hein, dégâts normaux à distance. On a vraiment des très bonnes conditions. Bonus de dégâts normaux à distance qui vont jusqu'à 10%. Avec, franchement, ça fait vraiment très très mal. Vous voyez, quand là on a un multiplicateur de 250 réduit de 50% si la cible n'est pas à portée de corps à corps. Bon, ils ont quand même de quoi se défendre hein, au corps à corps, mais le mieux, ça serait vraiment cette technique. Vous combattez à distance, si on regarde par exemple sur mon KVK, alors nous on se fait rouler dessus, donc il n'y a plus tellement de blocs de combat à distance. Hein. Mais si vous êtes comme ça en friction, hop là, on peut se mettre nulle part, parce qu'on se fait rouler dessus et on s'est fait fermer. Même si vous êtes en friction, vous avez un bloc qui va défendre pour vous sur le flag. Si vous êtes un petit peu en retrait, vous allez pouvoir faire très mal potentiellement. Mais encore une fois, il va après falloir voir au niveau du craft. Hein, il va falloir réussir à choper du craft d'ingénierie. On peut pas trier le craft juste ingénierie. Il va falloir du craft ingénierie. Et c'est pas le plus simple à obtenir de mon point de vue. Bien que on a quand même des nouveaux parchemins qui ont été mis par Lilith. Hein, mais je ne pense pas que ce soit les priorités à crafter. Je vous conseille vraiment de partir sur les troupes classiques. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à ne pas faire l'erreur et monter ses commandants si vous n'êtes pas une méga baleine. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur Rock.